Tu viens d'un tube. Ça va? Ouais, bien, merci, et toi? Tranquille, ouais, ça va, ça va. Tu fais quoi, là? Je travaille mon marimba. Ton quoi? Mon marimba, c'est ce gros instrument, là. C'est ça, ouais, ok, d'accord. C'est assez atypique. C'est comme un xylophone, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Mais en bois. Okay. Exact. C'est genre un piano, mais... Sans touche sur le piano. Et puis, puisqu'on utilise ses baguettes. Ça, hein. Ça me... Ah, c'est bien. Tu sais, ça me rappelle un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, là. C'est l'histoire d'un film qui suit un mec qui est compositeur, qui est super talentueux. Et en fait, t'as un type qui va vouloir lui piquer son œuvre. Un type lui pique son œuvre. Ouais, genre faire son masterpiece, tu vois. Ça vaut pas. À mort. Et du coup, là, le mec, il va vouloir se venger. Sauf qu'il va avoir un accident qui va lui défoncer presque la moitié de sa face, en fait. Alors plutôt que de se soigner, c'est dégueulasse. Sauf que plutôt que de se soigner, le mec il va décider de se venger comme ça. C'est quel genre de film? Comédie musicale, drame. Ah ouais, un petit peu un grand mélange quoi. C'est un grand mélange de genre, folie. C'est vachement sympa. Ouais. Et en fait, donc il va essayer de se venger, il va avoir son accident. Alors plutôt que de se soigner, le mec il va conserver son physique et il va hanter le spectacle tout au long des répétitions, tout au long des représentations. Tout à fait normal. Normal. C'est un gros psychopathe. Quoi. Ah bon. Et là, il va piquer. Il va être piqué pour une gonzesse. Et que du coup, il va tuer que certaines personnes des répétitions sauf la gonzesse. Alors, il va l'emmener dans son antre, tu vois. Puis il va vouloir. Ouais, un petit peu déstabilisant quand même. Moi, ouais, ça va. C'est bien. Ouais, ça m'a pas trop. Ok. C'était bien. Ouais, je te fais confiance. Vas-y, trouve le nom du film que je t'ai raconté. Alors, sexe et drame? Non. Amour sanglant? Non. Je sais pas. Hein. Tu trouves pas? Bah non. Il trouve pas. À qui tu parles? Bah qui parle, tu les vois pas? Non. Tu les vois pas? Absolument pas. Tu les vois pas, genre là tu les vois pas là. Là y'a quelqu'un là, mec. Oh là. Tu les vois pas les mecs là qui toujours ils m'observent chaque fois que je raconte un film? Oh mais c'est dingue! Oh calme-toi, ça va. Je pas. Bon, et vous avez trouvé? Hein?